Salut les amis, j'espère que vous avez tous magnifiques. Moi, merci aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'ai bugué. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle compagnie de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Skill PvP comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir le plus riche du serveur. C'est très simple. Premièrement, les amis, il faut m'envoyer 1000 euros sur mon compte PayPal. Et ensuite, je vous donne la technique. Donc, j'attends. Allez, mon PayPal s'affiche à l'écran. Non, je rigole, je vais pas afficher mon PayPal. Parce qu'il y a des gens, des gens méchants qui vont me hacker. Et après ça, je vais aller pleurer. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment avoir de l'argent plutôt facilement. Donc, c'est très simple. C'est la petite machine que vous voyez juste ici. Vous l'avez sûrement déjà fait sur des serveurs Skyblock. Parce que c'est sur ça que c'est très, très, très populaire. C'est là que j'ai appris à faire cette machine-là. Par contre, je dois donner un petit peu de crédit à mon ami Volkin parce que c'est lui qui les a créés sur Skill. J'avais la flemme de faire les machines. Je l'ai laissé travailler pour moi, c'est mon petit chinois d'amour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé travailler pour pouvoir vous proposer cela. Donc, je vais juste finir de transformer tout ça. Je vais remplir la machine. Donc, on a cette machine ici et on en a deux pour l'instant. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec cette machine-là. Donc, ici, on en a une autre machine, mais elle, il en reste un peu. Donc, on va juste remplir celui du milieu. Les autres, on s'en fout. C'était même pas moi qui l'utilisais, celle-là, c'était quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec celle-ci, je vais récupérer ma carotte, c'est qu'on peut farmer plusieurs trucs. Donc, par exemple, on va aller au workshop. Je vais vous montrer le truc. Donc oui, je vais dire oui là parce que comme ça ils vont arrêter de me spam. Ou ils vont plus me spam, je sais pas. Donc on va aller voir la bourse. Donc voir la bourse, en ce moment, il n'y a rien vraiment de, genre qui est vraiment à 100%. Il y a les carottes et les patates et le blé qui sont le plus élevés. C'est ce qui vaut le plus selon moi. Ben, dans mes calculs, je pense que c'est ce qui vaut le plus cher à vendre et ce qui est le mieux à vendre. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va rester comme ça. Parce que vous savez, la bourse, ça monte et ça descend. Donc pour l'instant, les carottes, les patates, c'est bon. Avec le blé qui est quand même bon. Donc nous, notre machine, elle permet de faire ceci, ceci et ceci. Donc c'est trois options sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 options. Donc c'est quand même plutôt intéressant parce que c'est là que c'est devient le petit parce que. Parce que, exemple, les carottes sont super élevées. Les carottes sont à 100%, les patates, tout le reste est en bas. Ben, on a une machine pour faire les carottes. Si c'est les carottes qui sont en bas, les patates seront en haut. C'est sûr à 100% qu'un des trois va être au moins à 50%. Vous voyez? Et là que c'est intéressant. Parce que c'est une valeur sûre, les amis. Une valeur sûre à 100%. Mais comme vous allez le voir dans la prochaine vidéo, dans ma vidéo présentation de ma base, je fais cette vidéo-là après avoir déjà recordé l'autre vidéo. Vous allez voir que je vous ai présenté aussi mon champ de Nenet de Roark. Et on a aussi une farm avec des cacaos, etc. Mais je voulais pas vous la montrer. Comme j'ai dit, on avait des coffres et tout. Je voulais pas vous la montrer tout de suite. Donc, oui. Donc, là, je vais aller à ma Skybase et je vais faire quelque chose de plutôt intéressant. Je veux niquer l'économie, ok? Je vais vous montrer une technique, c'est ça que j'adore faire. C'était pas celle-ci, c'est la Skybase numéro 2. Donc, en fait, je vais niquer moi-même l'économie pour pouvoir avantager les carottes et tout. Donc, on va aller à la Skybase 2. Donc, on a des citrouilles. Les citrouilles, on va les vendre. On va vendre aussi pas les melons. On va vendre surtout ça. On va vendre surtout les verrues du Nether. Donc, je vais vider mon coffre ici. Je vais juste vendre toutes les verrues du Nether que je peux mettre dans mon inventaire, en fait. Je vais juste me vider complètement. Donc, voilà. Je vais mettre tout ça de verrues. Je vais niquer l'économie pour la seule et bonne raison que les melons... pour que les carottes ainsi que les le blé et les patates montent eux-mêmes. Donc, on va voir ça. Donc, ça, c'est cool. C'est cool. On peut contrôler l'économie. J'espère que ça va fonctionner. Donc, on va en vendre... Attends, juste avant qu'on regarde, je vais juste regarder, on est à combien d'argent? 2000, OK? Donc, on va voir combien ça va nous donner de tout vendre. Ça devrait pas nous donner beaucoup parce que notre but, c'est juste de niquer l'économie. Donc, là, on peut voir, elle est en hausse. Donc, c'est parfait. Ça va nous faire 700$, mais ça va niquer l'économie. On va attendre que ça refresh. Et normalement, ça va baisser de fou et ça va monter quelque chose d'autre. Donc, on va continuer à vendre pendant ce temps-là. Donc, on va faire un petit slashback. On était à notre Skybase en espérant que ça me TP à la Skybase. Parce que normalement, quand on fait des trucs, ça nous TP. Ah, OK, c'est pas parfait. Donc, on a un peu plus de virus ici. On a aussi du blé, mais ça, on va le garder, comme j'ai dit. Notre but, c'est juste de niquer. What the fuck? C'est même pas la bonne Skybase. What? Ça peut pas taper à la bonne place. C'est bizarre quand même que ça fasse des trucs comme ça. Hein. What? Sky 2, putain, je suis trop con, mec. Oh là là, je suis trop con des fois. Donc, parfait. On a la Sky 2. On a des cacao beans. On peut vendre des cacao beans, mais en même temps, j'ai envie d'attendre un peu. Je vais juste me concentrer sur... ils sont où les putains de virus? Ils sont là. On va se concentrer sur les virus parce que c'est ça qu'on veut niquer exactement. Je vais regarder quoi d'autre qu'on a ici qu'on peut niquer. Le melon. On peut niquer un peu le melon aussi. Vu que le melon est déjà bas.
Les melons citrouilles, ok, parfait. Donc on va retourner au workshop et on va aller tout niquer. Et on va voir combien, normalement, comme je vous ai dit, le prix du, des carottes et tout devrait augmenter. Donc on va voir vite fait. La bourse, non, ça n'a pas encore changé. Donc on n'en a pas encore assez vendu. Ça veut dire qu'il faudra continuer à en vendre. Mais là, on avance, on en vend encore un peu. Donc peut-être que ça va changer dans quelques instants. Je ne sais pas combien de temps ça se... les commentaires ça s'update, mais je suis sûr à 100% que ça va baisser et que ça puis ça vont monter. Donc on a aussi des melons qui est très bas, donc ça on pourra pas les faire descendre je pense vraiment plus bas, mais ça va nous faire au moins un peu d'argent. Comme on peut voir, c'est resté au même prix dans les dernières heures, il n'y a pas eu de modification. Pour les pommes de terre, ça l'a descendu. Les carottes, c'est resté au même prix. Les cactus, ça l'a monté de 4 cents. Le canne à sucre, ça l'a descendu de 5 cents. Le netherwort, ça l'a monté de 5 cents, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça pour le niquage de bourse. Maintenant, let's go vous présenter les farms. Donc, pour revenir au but de la vidéo, c'était vous montrer comment devenir riche. Et ben moi, ce que je vous conseille, c'est justement ce que j'ai fait. C'est niquer la bourse avec vos autres items que vous avez. Par exemple, moi, j'ai niqué la bourse avec les verrues la plupart du temps si je trouve que c'est le meilleur truc à faire. Parce que là, elle monte quand même assez souvent, les verrues montent quand même assez souvent. Là, un coup qu'on a niqué la bourse, on l'a fait descendre de quelques centimes, ben ça monte autre chose. Donc là, je vais juste récupérer mon stuff. Et on va lancer un petit avance rapide de farming. Vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1! Get smacked with a backhand. Been a rat game, solid like the crack game. Got the ass and the cash and the whips, and it's fast where I'm moving, it's gone in a flash, man. Zip slow, cause it's light moving fast pace. No one give a fuck that you had a bad day. Get your stacks up, you better never pass up on any opportunity to get your fucking cash straight. This a jungle and everybody tryna eat. When it's rap shit, I'm a motherfucking lion bee. When I see you in the streets, don't say hi to me. There ain't a motherfucking that see out of eye with me. Pissed off, like I fucking rip my skin off. Y'all on my nerves, see your girl, so my dick's off. If she a fan of the team, she get picked off. I'ma get rich, cause I seen about a piss poor. First off, work hard to your heart style. And push the pedal to the metal to the car style. Keep it moving through the struggles and the hard times. Even if the motherfuckers struggle at the night time. Run your mouth and you'll end up with a slice spine. Don't get it twisted, boy, I'm not a fucking nice guy. I knew the second that I was able to write rhymes, I would die a fucking legend on the mic, dog. Ain't a motherfucking know what I've been going through. If you got a fucking dream, hold it close to you. When you blow up, everybody miss the O to you. I'm a normal person that make a mistake, but so do you. I don't judge you, why the fuck you judging me? Move along, I ain't giving y'all shit to see. Hip hop, you know I'm the epitome. People are getting sick of me, there ain't no getting rid of me, a bitch. I'm with a female that look good. You know that she cook good. She all on my wood. I swear to God. Every second it's grind time. Getting brain like Einstein. Friends and enemies fine line. I swear to God. I'm with a female that look good. You know that she cook good. She all on my wood. I swear to God. Every second it's grind time. Getting brain like Einstein. Friends and enemies fine line. I swear to God. Batter up, line them up, got a knife, fucking I'ma line them up. And fatigue like a frog in a tree, and I pop quicker than a log at your knee. When you're climbing up, don't bark at the wrong one, I get pulled apart with a long gun. Pressurize with a strong sun, don't beef if you gon' run. Don't speak if you gon' untweet when you all done. Pussy nigga, you ain't on my type of time. I gave all my life to rhyme, I made all y'all hype to mine. Like they live until I kill them all. Nice to try, and you can't fuck with me if I volunteered in a sport too. You need a rabbit leg with a wizard beard and a horseshoe, and a bitch that won't divorce you when she find a nigga you lost to. Double life, still low for my own days. Four pop, four chains, four arms like Goro. Remember when I hit four blocks on the fourth, had to shake four cops at a four train. Add more birds in a basket than a hawk game. 10 deep and I mean hands and feet. Beat a nigga out of sweatsuit for my Jordans. I don't think about shit when I speak, neither do I seek to impress you when I'm a cordon. I just wanna put my daughter through school and get a sweatsuit for my Jordans. I remember when I used to walk, man, battling myself. I ain't even have a walk, man, borderline crazy or a professor. We taught the teacher, that's why when you talk, man, I feel no pressure. I'm with a female that look good. You know that she cook good. She all on my wood. I swear to God. Every second it's grind time. Getting brain like Einstein. Friends and enemies fine line. I swear to God. I'm with a female that look good. You know that she cook good. She all on my wood. I swear to God. Every second it's grind time. Getting brain like Einstein. Friends and enemies fine line. I swear to God. It's getting harder to breathe. I think I got a disease. I'm only at peace when I'm fucking these women or drinking or when I'm asleep. I never trust the police. We sipping on them OEs. You got your hands out like we homies, but I do not know you and you don't know me. Shit, I'm waking up and I'm getting it. I could take a buck and then flip it into a million. Man, fuck your opinion, you wasting your breath cause I ain't fucking listening. I'm all alone in my room, thinking about all the shit I've been through. I'm so stressed out and pissed off all the time.
grind, but I suck it up for my crew. I do this shit for my fam. I'm putting all my trust in God's plans. Only reason I'm alive now is my fans. Money in my pocket, so I'm sagging my pants. Shit, high socks and Chuck Taylors. My mind all in that paper. I load it up and I cock it back and I aim it right at them haters. Man, it's just me and my thoughts stuck in the house, stuck with my dads. I wonder if death is the only way out. Don't worry about my business, homie, stay out. Bro, watch your mouth around me when you talk shit. Mind all in the fog, feeling so lost. On my knees praying to God. I'm with a female that look good. You know that she cook good. She all on my wood. I swear to God. Every second it's grind time. Getting brain like Einstein. Friends and enemies fine line. I swear to God. I'm with a female that look good. You know that she cook good. She all on my wood. I swear to God. Every second it's grind time. Getting brain like Einstein. Friends and enemies fine line. I swear to God. Et voilà, à peu près 10 minutes, je dirais même pas, quasiment un full inventaire. Donc c'est plutôt rapide. Après, il y a un truc que vous pouvez faire aussi. Là, c'est que les hoopers n'étaient pas remplis de chaque côté. Mais si vous remplissez tous les hoopers, vous pouvez mettre des drops, des dispensers. Vous pouvez aussi mettre des hoopers autour et faire des coffres. Comme ça, quand vous avez vu, mon inventaire était plein, ça a stacké et tout. Bah, ça peut tomber directement dans les trucs, tu vois. Donc ça aurait été plus intéressant à faire. Là, je vais prendre une petite pause et quand je vais revenir, les gars, on va aller voir la bourse, comment elle a changé, parce qu'on m'a dit que ça prenait à peu près 30-40 minutes avant que ça s'update. Donc, j'ai juste trouvé le coffre à patatos. On a un coffre normalement avec des patatos, il est où? Il est où le coffre à patatos, wesh? Il est où? Ah, il est là. Donc, on va mettre le coffre à patatos ici, les gars, et puis on va aller voir la bourse un peu plus tard. Je vais aller faire quelques games de Fortnite et je vous dis à tout de suite. What the fuck, le don le plus original de toute ma vie. Donc le gars il a fait un genre de système de quiz, ok. Donc un quiz puis un jump. Donc je ne l'abonne à la weed. Ouais, si tu recrutes dans ta fac je suis dispo. Je te fais un don, petit don RP. Salut Econ, c'est Baba. Ok, le don je sais pas comment il se lit. Mais bon, pose tes deux clés pour aller au trésor. Ok, je vais poser deux clés. Donc on va commencer par le jump. Ok, le jump il a l'air assez facile. Je suis pas un pro jumper, mais je pense que je devrais être capable de. Ouh, oh, oh! Putain de merde, les ennemis. Nom de Dieu. Whoop-a-l'ai. Ok, c'est bon. Whoop-a-l'ai, c'est bon. Et là, c'est juste ici. Okay. Les gars, vous avez rien vu? Vous avez rien vu? Yo, je suis crissement pas bon, man. Whoop-a-l'ai et whoop-a-l'ai. Ok, c'est bon. Ok. Sans commentaire. Tu vois, même lui, il est pas capable de faire son propre jump, gros. T'es prêt? Whoop, là. Ok, c'est bon. Là, j'y suis. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Je crois que je dois faire ça. Ah, tabarnak. C'est pas possible, en fait, je crois. J'ai jamais fait... Je suis pas vraiment fait de jump dans ma vie, mais... Je crois que c'est pas possible, en fait, selon mes calculs mathématiques. Parce que... En fait, il faudrait qu'il y ait un toit de plus, en fait, je crois. Je suis pas sûr. Attends, on va essayer encore. Whoop, là. Non, c'est ça. C'est bizarre. Faudrait qu'il y ait genre un toit de plus pour que je puisse le... Je sais pas, je suis pas capable. Ok, je vais essayer, les amis. Hop là. Dernière chance sans vidéo, sinon je vais couper la vidéo. Oh, tabarnak. Je suis vraiment pas capable. Oh non. Je veux ma surprise. Ah, voilà. Je crois que là, ça va marcher. Ouais, c'est bon. Là, ça va marcher. C'est bon. Nickel. Merci, mec. Ok, ça va marcher cette fois-ci. Ok, là tu fais ça. Là normalement tu glisses comme ça. Puis là t'avances. Oh! Merde. Je vais l'avoir. Je suis sûr à 100% que je vais l'avoir. Ok, c'est sûr que je vais l'avoir. T'es prêt? Non! Ok. J'ai enfin eu. J'ai eu pour ta première épreuve réussite. Nice! Clé du trésor. Ok, merci. J'ai réussi à avoir une clé du trésor. Nice. Donc là, je mets la clé du trésor là-dedans. Normalement, ça va débloquer ces deux portes-là. Ok, donc là, c'est le quiz, ok? Donc, combien j'ai de monnaie? Plus 10 000, 1250 ou moins 1000? Moins de 1000. Combien as-tu d'abonnés sur ta chaîne YouTube? Ok, plus de 30 000, moins de 2 000, plus, moins de 35 000. J'ai moins de 35 000.
Mais j'ai plus que 30 000, donc c'est plus 30 000. Ok. GG pour le quiz. Nice! Donc là, on a des pépites, on a du la virée, on a du truc. Nice, je vais prendre tout ça. Merci, jeune homme. Et on a la deuxième clé maintenant. Comment on fait pour remonter? Ah! Ok. Il y a quelqu'un tout proche en plus. Voilà. Attends. Oups. Je suis revenu, c'est bon. Je suis là, les amis. Donc, on met la deuxième clé. On va récupérer nos joints. La deuxième clé. Voilà. Et là, on peut ouvrir le trésor. J'espère que tu aimes ce don. Désolé, j'ai pas beaucoup de stuff. Yo, une pépite de mété. Merci, du titan. Merci beaucoup, gros. Des diamants, toujours bon pour vendre. Toujours bon pour vendre la lapis aussi. Les potions d'anti-shit, ça fait toujours plaisir. Des orbes de réparation. Des orbes de power. Gros, merci beaucoup. En vrai, c'est un don super original, gros. J'adore, j'adore. Vraiment, merci beaucoup à toi, gros. Ça fait super plaisir. Vraiment, je suis super content, mec. Merci beaucoup, Baba. C'est super cool. Vu que t'es pas trop riche, tu sais quoi? Je vais te filer... je vais te filer 1000 livres, en fait. Tiens. Tiens. Et tiens, gros. Un gros merci à toi et 4 œufs de crib, gros. Merci beaucoup, mec. Ça fait super, super plaisir. C'était vraiment cool à faire ce genre de don, mec. Et j'espère... J'espère que tu vas peut-être m'en refaire un jour avec un plus gros quiz et un truc comme ça. Si vous me piez, j'ai pas besoin... Ah, c'est sa base, en fait. Genre, il m'a pas sa base. Bon, ben, aussi bien il va laisser le melon. Hein.